Bienvenue à Moissac, sur une étape du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce matin, nous sommes des pèlerins arrivant devant l'abbatiale Saint-Pierre, un chef-d'œuvre de l'art roman. Sur son tympan est représenté le Christ, assis sur un trône, entouré des quatre symboles, des évangélistes et de 24 vieillards qui chantent la gloire de Dieu. Regardez cette représentation du prophète Jérémie. Elle est emblématique de la sculpture romane du Languedoc. Nous entendrons tout à l'heure le cri de ce prophète dans la première lecture. Affilié en 1053 à l'abbaye bénédictine de Cluny en Bourgogne, Moissac compta à son apogée une centaine de moines alliant prière et travail. Dans ce cloître, il méditait devant ces magnifiques chapiteaux qui évoquent des scènes de la Bible et la beauté de la création. Pour ces moines, comme pour les visiteurs d'aujourd'hui, le message reste le même, le Christ est ressuscité. De Montauban présidera la messe, concélébrée par le père Pierre Ohan, curé de la paroisse. Avec une équipe de laïcs, ils ont préparé cette messe télévisée avec beaucoup de générosité. Un grand merci à eux. Également présents dans l'assemblée, ensemble entrons dans la célébration.